Le 28 septembre dernier, la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem sème la zizanie. C'est qu'il représente pour les Arabes le symbole du refus de toute remise en cause de la souveraineté d'Israël sur cette ville. I came here with a message of peace. En dépit de ces déclarations pacifiques, la visite du chef du parti conservateur est perçue comme une provocation par les Palestiniens. Dès lors, c'est l'escalade de la violence, verbale pour commencer, physique par la suite. Les blessés se comptent par dizaines dans les deux camps. Mais ce ne sera que le début d'une série d'affrontements qui vont secouer tous les territoires occupés et qui plus que jamais prouvent que le processus de paix défait à Jérusalem ne peut être réengagé que par un accord sur la ville sainte. Jérusalem, pomme de discorde des religions. Madame, Monsieur, bonjour. On peut se poser cette question face aux événements tragiques qui se déroulent au Proche-Orient. Nous allons consacrer aujourd'hui notre débat à Jérusalem, ville trois fois sainte pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Alors, quelle est l'histoire des lieux saints? Quelle est leur importance? Quelles sont aujourd'hui les revendications des religions par rapport à Jérusalem? Est-ce qu'on peut parler d'une guerre des religions? Nous allons aborder toutes ces questions avec nos invités. Messieurs, bonjour. Bonjour. François Garay, vous êtes rabbin de la communauté israélite libérale à Genève. Quel est votre lien personnel avec Jérusalem? Jérusalem est le centre de ma réflexion culturelle et de mon attachement spirituel. Jean-Bernard Livio, vous êtes jésuite à Genève, archéologue, bibliste. Est-ce que vous êtes attaché à Jérusalem? Oui, je dirais que c'est un lien très passionnel. D'abord, c'est un lien de 40 ans de présence où j'ai beaucoup voyagé entre la Suisse et le Proche-Orient. C'est un lieu aussi où j'ai mes racines, des racines de foi, des racines d'espérance aussi, puisque Jérusalem est liée à toute mon histoire passée, présente et à venir. Ahmed Benani, vous êtes musulman, historien, professeur d'histoire et de sciences des religions à Lausanne. Que représente Jérusalem pour vous? Un patrimoine de l'humanité, un lieu d'espace sacré pour quasi le tiers de l'humanité, si l'on compte les croyants, et je dirais même un lieu universel que nous respectons tous, quelle que soit notre provenance religieuse, nos attachements ou nos croyances. Vous me présentez comme musulman, je suis en fait athée, mais chaque fois que je vais à Jérusalem, je respire quelque chose qui relève de la sérénité et de l'entente humanitaire. Je suis profondément choqué par les événements qui secouent cette ville et tout l'espace palestinien, mais je crois qu'on y reviendra. Georges Lemopoulos, vous êtes grec orthodoxe, secrétaire général adjoint du Conseil œcuménique des Églises à Genève. Quels sont vos liens avec Jérusalem? Je pense que pour tout chrétien engagé dans le mouvement œcuménique, Jérusalem constitue un grand défi. Grand défi dans le sens que Jérusalem, c'est la ville d'où le message d'amour et de paix le plus puissant, selon notre lecture chrétienne, est parti. Et voilà que c'est une ville dont les habitants s'entretuent, une ville pleine de violence. Et on s'interroge, quel est notre devoir, quelle est notre réponse? C'est la ville qui a connu l'événement de Pentecôte, un appel à l'unité, à tous, au-delà des cultures, au-delà des langues, au-delà des civilisations. Et aujourd'hui, à Jérusalem même, les églises sont incapables de se partager les lieux saints. Donc un double défi. Pascal de Causa, vous êtes historien spécialiste du Proche-Orient. Est-ce que pour vous, Jérusalem est différent des autres villes? Écoutez, différente, oui, ne serait-ce que par le poids qui occupe les différentes religions là-bas, un poids qui est parfois lourd à supporter. C'est également une ville dont j'essaye depuis 20 ans de démêler l'histoire si compliquée. Et j'aimerais parfois voir Jérusalem ressembler plus à ces villes de Sicile ou d'Andalousie du Moyen-Âge. J'étais il y a quelques jours dans un musée de Palerme où il y avait un texte magnifique avec la traduction en arabe, en hébreu, en grec et en latin. Et c'est à cette Jérusalem-là que j'espère voir un jour. Alors nous allons essayer de la connaître un peu mieux, mais avant d'entrer plus profondément dans le débat, je vous propose de situer d'abord géographiquement Jérusalem et de faire un tour en images des lieux saints dont nous allons parler. Au cœur du Proche-Orient, adossé à la Méditerranée, on trouve la Palestine.
C'est en 1947 que l'ONU proclame la fin du mandat britannique et la répartition en un État juif et l'autre arabe. Jérusalem devient presque aussitôt un lieu d'hostilité et apparaît aujourd'hui plus que jamais comme une poudrière, notamment par la division de la vieille ville en quartiers et en raison de son extraordinaire densité de lieux saints revendiqués par les trois grandes religions monothéistes. Appel à la prière autour du troisième lieu saint de l'islam, la mosquée Al-Aqsa. Pour plus d'un milliard de musulmans dans le monde, aucune négociation politique n'est envisageable à cet endroit. Quand j'étais en Amérique, à chaque fois que je voyais une photo de la mosquée, ça me faisait quelque chose. Et c'est pour ça que je suis revenu. Ce pays d'une importance capitale pour tous les musulmans, d'où qu'ils viennent. Israël n'a jamais voulu reconnaître la souveraineté absolue des Palestiniens sur ce lieu sacré. Car la mosquée est construite sur l'ancien temple juif détruit il y a presque 2000 ans. C'est ce point qui empêche aujourd'hui les deux parties d'arriver à un accord. David, lui aussi, est venu des États-Unis pour étudier la Bible, ici, devant le mur des Lamentations, unique vestige du temple du roi Salomon. Cette vue, c'est mon histoire. C'est de là que je viens, c'est mon origine. Nous croyons, et c'est écrit dans la Bible, que sur ce mont du temple sera construit le troisième temple. Si juifs et musulmans concentrent leurs revendications autour de l'esplanade, les chrétiens, quant à eux, s'attachent à l'église du Saint-Sépulcre, lieu de l'ensevelissement et de la résurrection du Christ, selon la tradition. Symbole de l'unité chrétienne, la coexistence harmonieuse s'arrête pourtant sur le parvis. À l'intérieur, les luttes pour la possession des saintes reliques ont duré pendant des siècles. Aux catholiques, le lieu de la flagellation, aux grecs orthodoxes, le cachot où Jésus attendit d'être crucifié. Seul le tombeau est censé appartenir à toutes les confessions représentées. Jérusalem, ville éternelle, n'en finit pas de laisser songeur ceux qui devraient pourtant s'unir autour d'une même quête de l'absolu. Alors maintenant, pour mieux comprendre l'origine de ces lieux saints, nous allons nous plonger un moment dans l'histoire de Jérusalem en évoquant quelques périodes clés. Alors tout d'abord, il y a environ 1000 ans avant Jésus-Christ, c'est l'époque du roi David qui s'établit à Jérusalem, en fait sa capitale, puis son fils Salomon érige le premier temple. Alors Pascal de Crouza, pourquoi choisir Jérusalem ? Alors il choisit Jérusalem pour des raisons avant tout politiques. Il n'y a pas dans l'histoire sainte, dans l'histoire sacrée du peuple juif, une place particulière avant que David en fasse sa capitale, une place particulière attribuée à Jérusalem. Il l'a choisi pour des raisons politiques parce qu'à l'époque, il y a de fortes tensions entre le nord du royaume, les tribus dans la région d'Israël, et au sud, les tribus dans la région de Juda. Et le grand mérite de Jérusalem, c'est que cette ville n'appartient ni à l'une partie, ni à l'autre partie des tribus, mais à une dynastie locale, les Jébuséens. Et David réussit à s'emparer de la ville, il ne la rattache pas au territoire de l'une ou l'autre tribu. C'est une ville qui va pouvoir être neutre au-dessus de la mêlée, au-dessus des jalousies entre tribus. Point intéressant à remarquer au passage, David ne déporte pas la population, n'extermine pas la population, n'essaye pas de judaïser la ville. Il vient simplement s'y installer avec sa cour et ses soldats, et la population reste en place. Il fait, ça c'est un acte plus important, il fait transporter certes l'arche sacrée à Jérusalem, qui jusque-là était à Kiryat Yearim, mais il n'y avait aucune raison particulière religieuse que cette arche soit déplacée vers Jérusalem. Quant à Salomon, alors lui, il essaye de frapper les imaginations et de faire de Jérusalem un centre non seulement politique mais religieux, un centre qui est la prééminence sur les autres. Et pour cette raison, il fait construire un édifice religieux dont la magnificence n'a pas d'égal dans la région. Alors François Garay, quelle est la signification de cet événement, l'érection du premier temple ? Ah, mais c'est la relation qui se fait entre le politique et le religieux et la centralisation de l'État. Non seulement la royauté est là, mais également l'obligation de venir apporter ses sacrifices dans ce lieu, alors qu'avant on pouvait offrir des sacrifices dans d'autres lieux, et entre autres là où se trouvait l'arche, donc avant l'époque de David. Donc c'est une centralisation politique, mais ça elle avait commencé avec le père, donc David, et c'est une centralisation religieuse de telle sorte à unifier ces tribus qui effectivement avaient tendance quelque peu à se quereller. Alors, période suivante importante, c'est le 6e siècle, toujours avant Jésus-Christ. Le roi de Babylone s'empare de la ville de Jérusalem, la population est déportée. Et plus tard, les Juifs seront autorisés à rentrer à Jérusalem et le temple sera restauré. Alors, que devient Jérusalem pendant cette période de déportation ?
Alors, c'est pendant cette période, paradoxalement, que Jérusalem va véritablement occuper une place prépondérante et centrale dans la vie du peuple juif. Il est vrai, comme l'a dit M. le rabbin Garay, que Salomon a voulu affirmer la prééminence de Jérusalem sur les autres centres religieux, mais les autres centres religieux continuent d'être pratiqués jusqu'à une réforme en 622 de Josias qui dit que dorénavant, il n'est permis d'adorer l'Éternel qu'à Jérusalem. Et pendant la période de la déportation, eh bien, Jérusalem va servir d'une espèce d'ancrage symbolique, de pôle symbolique autour duquel les déportés se retrouvent. Et c'est là que Jérusalem va commencer véritablement à occuper la place centrale qu'on lui connaît, que sont composés des textes laudatifs à l'égard de Jérusalem, qui a ce fameux psaume, on dit « si je t'oublie, au Jérusalem, que ma main droite se dessèche, que ma langue… » Donc c'est pendant ces déportations que Jérusalem véritablement prend la première place. Et pour les Juifs, que représente cette époque de la déportation ? Une parenthèse. Un silence pendant une quarantaine d'années, enfin, ou plus, là les historiens vont se disputer sur le nombre d'années ou sur les décennies, mais une véritable parenthèse, et en même temps, comme vient de le dire M. Pascal de Cruza, et en même temps un point d'ancrage qui se fixe dans la tradition juive, qui est le fait, par exemple, qu'on retrouve dans le texte de Daniel, où Daniel se tournait, qui vivait en Babylonie, se tournait vers Jérusalem pour dire sa prière trois fois par jour. Donc Jérusalem devient à ce moment-là le centre névralgique de la spiritualité juive. Mais c'est à ce moment, au moment de la déportation, que la loi aussi est écrite. C'est un peu plus tardif. Enfin, elle commence à se constituer à ce moment-là, mais disons qu'elle sera exprimée plus tard. Alors ensuite, on arrive à la période au tournant de notre ère. La Judée devient une province romaine. Ça, c'est une époque, une histoire que nos téléspectateurs connaissent un peu mieux avec la vie de Jésus. Puis Jésus meurt crucifié à Jérusalem. Et quel est alors le rôle de Jérusalem après la mort de Jésus ? Alors pour les Juifs, Jérusalem va subir une catastrophe, c'est-à-dire les différentes guerres qui sont menées contre l'Empire romain, qui mènent en 70 à la destruction du Temple, et puis surtout à l'écrasement de la deuxième révolte en 135 par Hadrien, qui rase la ville et qui interdit sous peine de mort aux Juifs de se rendre à Jérusalem, qui est rebaptisée et qui est dotée d'attributs d'une cité romaine tardive. Ce qui est intéressant, c'est que pour les chrétiens à cette époque, les chrétiens qui sont vus comme les Romains, comme des Juifs, des sectataires d'une secte juive, mais qui sont dans la région de Jérusalem, considérés comme des Juifs, eh bien, voyant qu'ils n'ont plus l'accès à Jérusalem, qu'ils n'ont pas le droit à Jérusalem, eh bien, vont élaborer dans leur théologie une notion tout à fait importante, la notion de la Jérusalem céleste. Ils se désintéressent de la Jérusalem matérielle terrestre qui est hors de leur portée. Les premiers évêques, si je ne m'abuse, M. Livio pourra le montrer, étaient des païens convertis, puisque les Juifs ne pouvaient pas y aller. On se désintéresse de cette Jérusalem-là pour se tourner vers une Jérusalem spirituelle, nouvelle, qui n'a aucun lien terrestre. Donc effectivement, les apôtres quittent Jérusalem, Jean-Bernard Livio, et ça veut dire que la Jérusalem terrestre n'est pas si importante ? Non, je crois qu'il y a une espèce de logique que les chrétiens mettront un certain temps à comprendre, une logique qu'ils puissent d'abord dans leurs origines, dans la Bible, cette logique qui nous incite à entendre la parole de Dieu dans notre vie, mais à ne pas chosifier, à ne pas localiser cette parole, puisqu'elle est universelle, elle est adressée au monde entier. Cette logique, elle nous gêne humainement parce qu'on a toujours envie de fixer quelque part. Ça a été ce qu'on vient de dire avec Salomon, qui a voulu construire un temple avec le grand risque d'enfermer Dieu, de le mettre en boîte. Ça va être de nouveau la même chose avec Jérusalem. Or, dans le regard que le chrétien porte sur son Seigneur, Jésus à la fois mort et ressuscité à Jérusalem, la matérialité du lieu lui échappe. Et il comprend que cette parole de Dieu devient universelle à travers un homme, il s'appelle Jésus, à travers tous les hommes. Donc égal où on va retrouver Jérusalem, Jérusalem va être le lieu justement de cet enracinement, et Jérusalem va être tout d'un coup le monde entier, d'où ce départ vers tous les horizons. Alors le temple ensuite, le temple des Juifs est détruit par les Romains en 70. Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais été reconstruit ? Parce qu'il y a eu, de même que dans la tradition chrétienne, l'idéalisation de Jérusalem avec cet énoncé de la Jérusalem céleste, on a retrouvé cette même idéalisation dans la pensée juive. Et il y a eu aussi la prise de conscience fondamentale que le temple était une boîte, était un lieu où quelquefois on enfermait Dieu, mais que s'il fallait reconstruire ce temple, si on pouvait reconstruire ce temple, celui-ci ne pouvait être qu'un temple construit dans une ère de paix. Donc on n'y est pas encore. Et puis en plus, la majorité de la population juive
de ce qui s'appelait la Judée et que les Romains ont baptisé Palestine, la majorité de cette population a été expulsée du pays. Donc ceux qui restaient sur place étaient extrêmement peu nombreux et le retour était plus problématique alors qu'il ne l'était à l'époque babylonienne. Alors une époque importante, ensuite c'est le IVe siècle, en 313 l'empereur Constantin offre la paix aux chrétiens. Alors qu'est-ce qui se passe à Jérusalem, Pascal de Crouza? Alors on va revenir de la Jérusalem céleste vers une Jérusalem terrestre, une Jérusalem qui va servir des desseins politiques, ceux de Constantin. La mère de Constantin, Hélène, va sur place dans un des premiers grands pèlerinages, découvre ce qu'elle considère comme étant les lieux de la passion du Christ, fait construire des premiers monastères, des hospices, des couvents, et Constantin comprend tout de suite l'immense avantage politique qu'il peut tirer de cette réadoration d'une Jérusalem beaucoup plus terrestre. Il y a, comme le père Livio l'a évoqué, un besoin très, très humain de s'approcher des lieux aimés, de s'approcher des lieux qui ont été les lieux de l'histoire sacrée, et ça s'incarne d'abord chez Hélène, et l'empereur comprend qu'en tant que protecteur de Jérusalem, embellisseur de Jérusalem, maître de Jérusalem, il a un bénéfice politique à tirer de la sacralisation de cette Jérusalem terrestre. Et en moins de 100 ans, il va faire construire plus de 200 édifices religieux, couvents, monastères, hospices, dans et autour de Jérusalem, à tel point que Saint Jérôme, à la fin du siècle, s'en prend à cette ville et dit « ne vous imaginez pas que Jérusalem soit quelque chose qui marquera votre foi parce que vous l'aurez vu. C'est une ville surpeuplée où l'on trouve une curie, une garnison, des prostituées, des bouffons, comme dans toutes les autres villes. Il y a une utilisation véritablement politique pour affermir la légitimité politique de l'empereur de Constantinople, de Jérusalem. Alors Georges Lemopoulos, comment ça se passe pour les chrétiens orientaux sont donc déjà très présents à cette époque, au IVe siècle après Jésus-Christ? Oui, les chrétiens, à ce moment-là, on ne parle pas encore des chrétiens orientaux et occidentaux, on parle d'une église unie, d'une église indivise. Une petite correction, de 70, nous avons passé à 325, ou 313, pardon, très vite, et on a l'impression qu'entre deux, il n'y avait rien. Je pense qu'une fois les difficultés passées, les communautés chrétiennes se sont installées petit à petit et il y avait une présence chrétienne permanente à Jérusalem et aux alentours, ce qui prouve qu'un peu plus tard, lorsque le système des églises passera du système métropolitain au système patriarcal, même si Jérusalem est la plus défavorisée, je dirais, la plus faible en tant qu'église, elle sera considérée au même titre que Rome, Constantinople, Alexandrie et Antioche. Donc, il y a une présence chrétienne permanente et ce qu'aujourd'hui il est connu comme une église grecque dont, curieusement, la grande majorité de fidèles, ou l'écrasante majorité de fidèles, sont des Arabes, Palestiniens ou Jordaniens, est là et elle se considère comme une suite historique de cette présence chrétienne. Je dis en passant qu'il ne faut pas oublier aussi la présence d'autres formes de chrétienté, d'autres églises très anciennes, comme les Arméniens. On a vu en passant qu'il y a tout un quartier arménien qui sont présents. Il ne faut pas oublier les Éthiopiens qui sont présents. Il ne faut pas oublier les églises coptes qui sont d'une manière ou d'une autre présentes. Et cela nous donne un peu l'éventail de toutes les églises anciennes, les églises orientales qui sont présentes sur place. Alors ensuite, on arrive au 7e siècle, si on peut faire ces grands pas, ces pas de géant dans l'histoire. Au 7e siècle, il y a l'apparition d'un nouveau prophète en Orient, c'est Mahomet. L'islam va se répandre. Mais étrangement, Mahomet était à la Mecque, il est ensuite réfugié à Médine. Alors on ne comprend pas bien, du premier coup, pourquoi Jérusalem devient la troisième ville sainte de l'islam. Alors, ce n'est pas si compliqué que ça. D'ailleurs, dans la logique des rappels chronologiques et des successions des religions monothéistes, avec l'apparition de l'islam et de Mahomet, Mohammed comme on dit en arabe, ce dernier ne perd pas espoir de gagner à sa nouvelle religion les juifs dont il estime qu'ils sont le plus proches de...